Tournez vers l'avenir, vers les aubes pascales. Lève-toi, prends la route avec ton Dieu. Lavée de sang et d'eau et prête pour tes noces. Lève-toi, prends la route avec ton Dieu. Regarde avec amour ce qui fait ta gloire. Regarde avec amour la croix du Seigneur. Choisis pour rassembler les peuples de la terre. Regarde avec amour ce qui fait ta gloire. Regarde avec amour la croix du Seigneur. Lumière des nations chargée de la parole. Lève-toi, prends la route avec ton Dieu. Regarde avec amour ce qui fait ta gloire. Regarde avec amour la croix du Seigneur. Bâti sur le rocher, maison de pierre vive. Avec ton Dieu. Regarde avec amour ce qui fait ta gloire. Regarde avec amour la croix du Seigneur. Ferme pas ton cœur au défi de cet âge.
avec ton Dieu. Regarde avec amour ce qui fait ta gloire. Regarde avec amour la croix du Seigneur. Bienvenue à tout le monde, ceux et celles qui sont présents dans la cathédrale, ceux qui nous rejoignent par les ondes,
ceux qui ont chez eux aussi une image de quelque endroit de cette cathédrale. Bienvenue à tout le monde pour cette messe chrismale. Nous allons la vivre dans la sérénité. Nous essayerons de ne pas écouter trop les smartphones et autres objets métalliques qui font beaucoup de bruit. Et nous essayerons aussi de nous soutenir les uns les autres si jamais ça dure trop longtemps. Donc on va vraiment tous faire un effort. Alors on commence comme des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Demandons au Seigneur de préparer nos cœurs à l'accueillir. Seigneur Jésus, tu es venu pour accomplir la volonté du Père. Prends pitié de nous pécheurs, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Ô Christ, tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir. De tout orgueil, purifie-nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe. Seigneur de gloire, tu es venu donner ta vie et nous conduire ensemble jusqu'au royaume. Dans ton amour, fortifie-nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Love.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'a établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage, mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mmh.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes au cœur de notre foi lorsque nous entrons dans le mystère de la Pâque de Jésus. Comme il nous le dit à la dernière scène, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » À ce repas, nous sommes, quelle que soit l'étape sur le chemin de la foi, invités. Au cours de la Semaine Sainte, à plusieurs reprises, nous entendons dans la liturgie, élevé sur la croix, le Christ attire à lui tous les êtres humains. Comme chrétiens, nous croyons que le Christ nous attire. Nous en prenons conscience et nous répondons de manière positive à cette attraction par l'acte de notre foi, par l'écoute de la parole de Dieu qui retentit dans notre cœur. Avons-nous conscience aujourd'hui que le Seigneur nous attire pour passer avec lui de la mort à la vie? Le premier mouvement de l'acte de foi est de reconnaître que l'initiative vient de Dieu. Parfois, nous évaluons la mission de l'Église en comptant ceux et celles qui se convertissent grâce à notre témoignage, grâce aux finances que nous injectons dans des projets dits pastoraux. En fait, avant de calculer et de compter, souvenons-nous que c'est Dieu qui, le premier, prend l'initiative de nous créer et de nous sauver du mal, du péché et de la mort. Certes, nous pouvons toujours nous demander pour quelle raison la majorité de l'humanité qui vit sur la planète Terre n'a pas encore été informée de cette initiative de Dieu. La même question se pose pour la venue du Fils de Dieu en ce monde. Pourquoi a-t-il fallu tant de siècles pour que la promesse d'un Messie se réalise dans la tradition juive? Peut-être la question est-elle mal posée. Que savons-nous de la relation que Dieu a avec chaque être humain? Que savons-nous de l'accueil que chaque être humain manifeste lorsqu'il perçoit dans sa conscience un appel à discerner le sens de sa vie, la conduite à suivre, les choix de vie à opérer? N'oublions pas que l'Église, l'ensemble de ceux qui sont passés de la mort à la vie par le baptême, la confirmation, et qui participent à l'Eucharistie, que l'Église est signe, sacrement dans le Christ, de l'initiative de Dieu qui crée et qui sauve. Grâce à la Pâque de Jésus, nous devenons le corps du Christ, dont lui-même le Christ est la tête. En un sens, nous devenons chacun, chacune, un autre Christ. Comme le disent des textes fondateurs, nous sommes rendus conformes au Christ. Lui, qui est le Fils unique du Père, il nous fait devenir, par sa Pâque, des fils adoptifs, des enfants d'un même Père. Le soir de Pâques,
le ressuscité pénètre au cénacle où les apôtres se sont enfermés. Il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » À la Pentecôte, l'Esprit vient sur Marie, les apôtres et les autres disciples comme une force qui donne l'audace de témoigner du Christ mort et ressuscité avec tant de persuasion que ceux qui écoutent ont le cœur bouleversé. Pierre, que devons-nous donc faire? Nous connaissons la réponse. Convertissez-vous. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Pâque du Christ, depuis la dernière scène jusqu'au don de l'Esprit, se déploie dans tous les sens. D'abord dans le temps. Depuis la veille de la Passion et de la mort de Jésus jusqu'à la fête de Pentecôte, nous croyons que la Pâque sera rendue présente jusqu'au moment de la venue du Christ à la fin des temps, lorsque tous nous serons invités au repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. La Pâque du Christ se déploie dans l'espace, depuis le Cénacle, le Mont des Oliviers, le Jardin de Gethsémani, le Calvaire, le tombeau à Jérusalem. Le tombeau vide, le chemin entre Jérusalem et Emmaüs, le cénacle à Jérusalem, le lac de Tibériade, la Galilée et le cénacle le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint suscite des envois en mission des apôtres, des sept, même auprès des païens. Saul fait l'expérience du Christ sur le chemin de Damas. Grâce à Barnabé et à Paul, la communauté d'Antioche connaît un développement extraordinaire. C'est dans cette ville que les baptisés reçoivent pour la première fois le nom de chrétien. La Pâque du Christ, manifestée par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, manifestée dans les autres sacrements, nous fait ensuite découvrir que nous aussi, nous sommes invités à participer à l'offrande que Jésus fait de sa vie en mourant sur la croix. Avant de venir en ce monde, dit la lettre aux Hébreux, le Fils de Dieu parle à son Père. De sacrifice et d'offrande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifice pour le péché, ne t'ont pas plu. Alors j'ai dit, me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Fils de Dieu, en devenant un être humain, se veut le frère de tous les humains. Il va plus loin encore, il devient humain jusqu'à accepter la souffrance, la mort, à passer par l'épreuve. En faisant référence à Gethsémani, la lettre aux Hébreux continue. C'est le Christ qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit jusqu'à son propre accomplissement. Il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel, ayant été proclamé par Dieu grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Prenant une comparaison avec le sanctuaire au temple de Jérusalem, la lettre aux Hébreux poursuit. En acceptant de mourir sur la croix, Jésus a fait de sa vie une offrande au Père. Il est passé du sanctuaire terrestre au sanctuaire céleste. Désormais,
le Christ est le seul prêtre. De plus, en ce prêtre unique, nous avons à la fois l'autel du sacrifice, le prêtre qui offre la victime et la victime qui est offerte. C'est là que nous contemplons le salut. Comme nous l'entendons dans le récit de l'institution de l'Eucharistie, le Christ est le corps livré pour nous, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. Dans la prière eucharistique 4, nous entendons « Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. » La Pâque du Christ, élevée sur la croix et ressuscitée des morts, nous invite à faire de nous-mêmes une offrande au Père sanctifié par l'Esprit Saint. En d'autres termes, nous participons au sacerdoce du Christ en nous unissant à son offrande, ce que nous célébrons entre autres à la liturgie eucharistique. Les paroles, les gestes de Jésus nous sont rendus visibles dans les sacrements. Désormais, pour connaître Jésus, nous avons l'Écriture, la Bible, où nous cherchons la parole de Dieu. Nous avons la tradition de l'Église qui transmet, qui porte l'Écriture. Nous avons la tradition, la liturgie, qui manifeste ce que le Seigneur fait vivre en accueillant son salut par des paroles, des gestes, des réalités bien tangibles comme l'eau, l'huile, le pain, le vin. Pour rencontrer le Christ dans sa Pâque, nous avons la liturgie. Avant de chercher à comprendre tout, laissons-nous émerveiller, car c'est là que nous découvrons, pour nous aujourd'hui, le dessein de Dieu sur toute l'humanité. Au lieu de choisir des thèmes de réflexion entourés de rites, avant de chercher ce qui est spectaculaire, proche d'un événement festif, laissons-nous porter par ce qui est proposé. Laissons-nous inviter par celui qui nous attire à lui, le Christ, pour nous laisser conduire vers Dieu, le Père, sous l'action de l'Esprit Saint. Aussi, célébrer la liturgie, ce n'est pas rappeler des souvenirs de ce que nous avons appris quand nous étions tout petits. Ce n'est pas avoir un discours mobilisateur pour une cause ou l'approfondissement d'un thème, c'est rencontrer le Seigneur aujourd'hui dans sa Pâque. Ce qui est appelé en langage biblique le culte spirituel, c'est laisser la Pâque du Christ innerver tous les aspects de notre vie, pas seulement l'intelligence ou le cœur, mais encore notre vie morale, notre éthique, notre découverte de la beauté. Quand nous cherchons ce qui nous identifie à partir du Christ, nous n'avons pas d'action d'éclat à proposer, mais simplement le signe de la croix. L'apôtre Paul, qui présentait de temps en temps sa prière au Seigneur tellement il se sentait faible, a bien compris où se trouvait sa force. « Pour moi, dit-il, non, jamais d'autre fierté que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. » Paul a raison. Quand nous découvrons que le Christ a souffert par amour pour son Père et par amour pour toute l'humanité, donc aussi par amour pour nous, nous sommes frappés par l'étonnante fécondité du don de sa vie. Le Christ laisse jaillir de son côté transpercé les fleuves d'eau vive qui nous font renaître,
l'Esprit Saint destiné à ceux qui croient en lui. Et sur ce chemin, deux pièges nous attendent. Le premier est de penser que, puisque nous savons, nous serons sauvés. Combien de personnes qui ont eu l'occasion de connaître le catéchisme par cœur ont estimé qu'elles seraient sauvées, même en étant éloignées d'une pratique de la parole de Dieu, à côté de la prière vivifiée par l'Esprit Saint. On sait, par conséquent, on sera sauvé. Ce qui est participation à la vie du Christ par les sacrements n'est pas utile, ne fait pas partie de ma vie de foi. Quelle erreur ! Il y a la connaissance du contenu de la foi et il y a l'acte de foi, l'accueil de l'invitation du Seigneur et la célébration des sacrements. Le deuxième piège est de penser qu'on arrive au salut en faisant le bien, sans être guidé par la parole de Dieu ou l'Esprit Saint. J'ai toujours voulu faire le bien, par conséquent, j'ai droit à être sauvé. Quelle erreur ! C'est le Seigneur qui m'invite à recevoir le salut. C'est encore lui qui me donne l'Esprit Saint pour répondre à sa parole et pour discerner le bien. Ce soir, durant la liturgie de la messe chrismale, le Seigneur nous invite à nous émerveiller devant l'huile destinée aux malades, devant l'huile destinée aux catéchumènes, devant l'huile parfumée, appelée le Saint-Crème, destinée aux baptisés, aux confirmés, aux prêtres et aux évêques le jour de leur ordination. Portons toutes ces personnes dans notre prière et prions l'Esprit Saint afin que ceux à qui cela revient puissent nous envoyer un nouvel évêque selon le cœur de Dieu. En ce jour, l'Église porte aussi dans sa prière les diacres et les prêtres jubilaires. Fête aujourd'hui, parmi les diacres, leurs 10 années d'ordination, Germain de Rieder, Jean-Paul Lannoy, Pascal Nutin et Antonio Micelli. Fêtent leurs 15 années d'ordination diaconale, Jean-Louis Hiroux et Philippe Fortan. Voilà pour les diacres. Les prêtres qui célèbrent un jubilé cette année fêtent 5 ans d'ordination, Fabien Bokoumou Engbondou et Yotis Georges. Fêtent 10 années d'ordination, Emmanuel Vuninka Mirimba, Adolphe Loyoko, Christophe Kalombo Dinanga, Martin Déac, Damien Debézieux et Patrick Banzé. Fête 15 années d'ordination, Daniel Silimi, Marc Moita, Damien Mombo, Jacques Bailly et Philippe Pardonce. Yves Moupière célèbre 20 années d'ordination. Fête 25 années d'ordination, Emmanuel Goma, Piero Yamba Yamba, Joseph Mananga, Patrick Mariage et Tadé Kumakinga.
fête 30 années d'ordination, Mikhailo Dimid, Claude Moussimard, Emery Kenda, Sylvestre Eves, Roger Nzuzi Mengi, Roger Maloire et Jean-François Gisels. Fête 35 années d'ordination, Jean-Marie Mwamba, Antoine Caza, Jean-Luc Deblard et Philippe Casterman. Célèbre 40 années d'ordination, Jacques Pinault, Jean-Léonard Kourounziza, Philippe Vermersch, Benoît Lobé, Francis Cambier, Jean-Bernard Bronchard. Fête 45 années d'ordination, Vasile Overa, Christian Croquet et Michel de Carpentrie. Célèbre 50 années d'ordination, André Minet, Fernand Delange, Guy Salles et Émile Lizaine. Fête 55 années d'ordination, Mario Gadda, André Van Est, José Van de Put, Jean-Pierre Homé, Daniele Martello et Philippe de Burgrave. Fête 60 années d'ordination, Casimir Kurchavski, Jean Audeval et Michel Duhaillon. Fête 65 années d'ordination, Monseigneur Frédéric Rouboyanga, Stanny Dambourg et Philippe Tonneau. Et enfin, fête 70 années d'ordination, Joe Duvillier. Fils très cher, en cette semaine sainte, où nous rappelons le jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Jésus, gardien fidèle, souverain berger dans ta gloire, intercède pour nous devant la face de Dieu. Intercède pour nous devant la face de Dieu. Priez aussi pour votre évêque,
que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Jésus, gardien fidèle, souverain berger dans ta gloire, intercède pour nous devant la face de Dieu. Intercède pour nous devant la face de Dieu. Chers frères diacres, au cœur de cette semaine sainte, la liturgie nous rappelle que le Christ s'est fait serviteur des serviteurs. Voulez-vous demeurer unis à lui et conformer votre vie à son exemple, vous qui le jour de votre ordination avez été consacrés à la diaconie de l'Église? Voulez-vous, à l'image du Christ serviteur, servir toujours plus vos frères et sœurs dans la diaconie de la liturgie, de la parole, de la charité, avec une prédilection pour les plus pauvres, en communion avec votre évêque, vos frères prêtres et tous les membres du peuple de Dieu? Frères et sœurs, priez aussi pour vos diacres, afin qu'ils demeurent fidèles à la grâce de leur ordination et qu'ils soient au milieu de nous des signes du Christ venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus, gardien fidèle, souverain berger dans ta gloire, intercède pour nous devant la face de Dieu. Intercède pour nous devant la face de Dieu. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Dans un climat de recueillement, nous accueillons l'huile destinée au sacrement de l'onction des malades. Que l'Esprit Saint nous établisse dans une belle communion de prière avec nos sœurs et frères malades, en communion aussi avec leurs proches et avec tous ceux qui les soignent à des titres tellement divers. Bénissons Dieu, source de toute bénédiction et de tout réconfort.
Dieu, béni soit Dieu notre Père. Il nous a bénis, il nous a bénis dans le Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Nous accueillons l'huile destinée à l'onction des catéchumènes, l'huile du salut qui fortifie, notamment pour lutter contre le mal. Les catéchumènes reçoivent l'onction de cette huile pendant la période du catéchuménat, ou le samedi saint, ou à la veillée pascale. Nous avons déjà beaucoup prié pour les catéchumènes, particulièrement tout au long de ce carême. Que l'Esprit-Saint affermisse encore notre communion avec eux. Bénissons Dieu, source de toute bénédiction, source de salut.
l'image de sa gloire. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, notre Père. Il nous a bénis, il nous a bénis dans le Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous accueillons maintenant l'huile destinée à devenir le saint crème. Il s'agit d'un mélange d'huile d'olive et d'un baume parfumé. L'onction avec le saint crème est conférée aux enfants qui sont baptisés tout petits, aux jeunes et adultes qui reçoivent les trois sacrements de l'initiation chrétienne à la veillée pascale, aux enfants et adultes qui reçoivent la confirmation, aux évêques et aux prêtres lors de leur ordination respective. Songeons aussi à nos églises et à nos autels qui ont été consacrés par l'onction du saint crème. L'Église entoure le saint crème de beaucoup d'honneur. La prière que proclamera notre évêque n'est plus simplement une prière de bénédiction, mais une prière de consécration. Aussi, mettons-nous debout et rendons grâce. De sa gloire.
gloire. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, notre Père. Il nous a bénis, il nous a bénis dans le Christ. Prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant, sous l'inspiration prophétique, les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe et tu affirmas par la voix qui se fit entendre, que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David, il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile
destinés à l'onction deviennent pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel des chrétiens parfaits. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Sois parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Sois parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Pendant la procession des offrandes, nous avons eu l'audace inouïe de suggérer qu'il y ait une petite collecte pour les frais de la messe chrismale. Vous donnez vraiment ce que vous pouvez donner, un petit quelque chose ou un grand quelque chose, ça soulagera ceux qui gèrent les finances. Et s'il y en a qui savent donner un grand quelque chose, ça... ce serait un beau cadeau de Pâques pour tous les petits financiers locaux. Merci de cette
de ce geste de solidarité. Merci beaucoup. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint, par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toute chose excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père,
comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort du Christ et sa séchante au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ
une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi toutes celles et tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de celles et de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de Jean le Couturier qui s'est présenté devant toi et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint Éleuthère, de Saint Pierre et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. Pour la communion au corps et au sang du Christ, les prêtres et les diacres monteront auprès de l'autel, à l'autel. Et pour tout le monde, la communion sera distribuée bien sûr ici, au pied de l'autel, mais aussi dans le transept et aussi dans la nef latérale de droite, près de la chaire de vérité. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
frisson et communion au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu et communion au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous avons à la page 15 une prière que nous avons à dire ensemble. On confie au Seigneur toutes les demandes importantes de l'Église universelle et aussi l'attente pour nous. Ensemble, Pasteur éternel, notre Dieu,
toi qui gouvernes ton peuple et ne cesses de veiller sur lui, nous te prions pour notre Église diocésaine. Donne-lui de vivre avec ferveur la célébration du mystère pascal de ton Fils et d'accueillir avec joie et fraternité les futurs baptisés de Pâques. Nous te confions le travail de discernement dans l'Esprit Saint en vue de l'élection d'un nouveau successeur des apôtres. Accorde à notre Église diocésaine, dans ton immense bonté, le pasteur qui saura te plaire par sa sainteté et nous soutiendra. Nous te confions le synode de l'Église universelle, les travaux préparatoires à la session conclusive. Ravive en ton Église tous les dons de ton Esprit Saint, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit d'audace, Esprit de communion qui protège l'unité et reconnaît avec bienveillance la diversité. Nous te prions déjà avec ferveur pour la prochaine année sainte dans ton Église universelle, qu'elle soit une année de grâce pour ton peuple bien-aimé et pour tous les êtres humains pour qui Jésus a donné sa vie. C'est par Jésus, ton Fils, que nous te le demandons, lui qui intercède auprès de toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je remercie, au nom de tous mes collaborateurs, toutes les personnes et institutions qui se sont engagées à préparer cette messe chrismale, à la réaliser, y compris en la diffusant par les ondes et par des images. Je remercie aussi vous tous et toutes qui êtes venus. C'est pas mal, une église cathédrale qui est remplie, et il paraît que le propriétaire va enfin se réveiller pour continuer des travaux qui, je l'espère, se termineront en 2047. Donc, nous n'aurons pas tous la joie de voir la fin. Et alors, après cette célébration, vraiment, tout le monde est invité, ça a été préparé pour, et si vous ne venez pas, ceux qui ont préparé seront vraiment déçus. Donc, à l'évêché, quand on sort de la cathédrale, on tombe devant un grillage, et on protège les travaux du carré Janson. On continue, puis il y a une porte qui sera ouverte. Il y aura une personne très gentille qui vous accueillera pour vous indiquer où sont les toilettes et pour vous indiquer aussi où on peut recevoir de quoi se nourrir et boire. C'est à l'étage pour la plupart. Vous suivez les indications. Ne vous perdez pas, l'évêché est très grand, mais la nuit, je mets l'alarme. Donc, sortez à un certain moment. En tout cas, un grand merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et, dans sa bonté, répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais.